pas sur le téléphone. Ouais. Toujours faire du téléphone, téléphone. À toi aussi. Faire du téléphone, il fume les chiffres. Ah, il va dormir, c'est pas loin. Ça y est, ça marche plus, on peut plus appeler. Et ça marche pas loin. Putain, mais c'est quoi, c'est n'importe quoi, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a là, n'importe quoi? C'est pas toi qui paye le téléphone. Akhira. Hajj, le baisse. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Hajj. J'ai filé un coup de fil. Qu'est-ce que tu fais là? Il a sorti où les prisons. Il a sorti. Va à ta place. Qu'est-ce que tu fais au téléphone là? J'ai filé un coup de fil. J'ai un standard, moi, ici. Mais non, mais je voulais appeler un collègue. Tu parles encore avec moi? Tu n'es pas un homme, toi. Tu es un clochard pour moi. Ouais, Farid, c'est pas un clochard, Farid. Non, Farid, il est mieux que toi. Ah ouais, il dort toute la journée, il est mieux que moi. Et tu n'as pas l'intérêt de me parler. Tu es un clochard. Tu as déshonoré toute la famille. Hein? Tu n'as pas honte. Il tient encore l'audace de venir ici chez moi. Et tu téléphones encore. Mais où tu veux que j'aille? Je te propose un truc. Putain, je le fais pour Samia. Je le fais pour Samia. Ça, c'est quelque chose d'important pour moi, Samia. Hein? Ah, mais attendez, moi, je vais gagner mon argent. Hein. Tu vas travailler, tu gagnes ton argent, mais je te prends un peu à laisser. Ouais. Je te mets à tout. Vous me payez la journée quand même. Mais je te paye la journée, je te paye la journée, bien sûr. Mais je te fais même un contrat après. Il est pire encore. Mais bon, il va vite, hein. Il va vite, qu'est-ce qu'il y a? Il va vite, la limite. Tu sais quoi, c'est que. S'il va vite, c'est qu'il est bon. J'aime bien quand il sourit, mais comment ça? Tu sais quoi, tu vas vite. Il a un truc dans l'œil là. Il me plaît, il est vif, quoi. Il est vif. Tu as une lueur. Tu vois, on me demandait pas de parler, on me demandait de travailler. Non, mais propre, moi. Mais attends, mais. Mais ne réponds pas comme ça. Attends, tiens, moi je demande, tiens, un ouvrier, je le veux propre. Nous, on n'a que des bons, nous. Attention, on prend les bons, on les paye, hein, les salaires, ils sont. Tu te fais 8000 nets sans problème, 1200 euros, mais réponds pas, Momo. Va t'acheter un t-shirt déjà. C'est un t-shirt pourri, là. Tiens, voilà. Et bien, avec un t-shirt propre. Ouais. L'argent, va t'acheter deux cigarettes. Écoute-moi, Momo. Ouais, prends la tournée, je vais la mettre après. C'est 50 euros qu'ils allaient s'acheter un truc convenable, hein, quand je parle. Tu t'arrêtes, d'accord? Demain, je te mène sur les chantiers, tu dis oui, monsieur Gilou, oui, monsieur Gilou, d'accord? Oui, je te mets à Batavia, oui, monsieur Batavia, oui, monsieur Batavia. Si demain, 14h, Batavia, il m'appelle et il me dit qu'est-ce que c'est ce branleur, c'est terminé, Momo. Hein. On a voilà, Momo, Sabrina, ma nouvelle recrue, cousine, cousine, hein? Lui recommander, chouchou, lui recommander, je t'ai dit, vite, quand même, hein? Moi, un petit café, là. Voilà. T'es regarde, tiens là, là-bas, regarde, tu vas bien regarder. Ah, c'est vous ça? Ouais, c'est nous ça. Cutty, frère, installe vos chaudières. Regarde bien, hein, tu vas voir. Dessus, regarde, est-ce que tu vois quelque chose là? Qu'est-ce que tu vois dessus? C'est une gonzesse. Voilà, c'est une. Et qu'est-ce que tu fais quand tu vois une gonzesse? Je regarde, ma foi. Voilà, Momo, tu as compris, ça c'est le marketing à l'américaine. Tu regardes. Monsieur Benoussa, on a reçu les porte-serviettes d'Allemagne. Oui, on a reçu un petit matériel chauffant, des petits porte-serviettes chauffants d'Allemagne. Formidable, je fais cadeau pour le petit, ça me fait plaisir. La petite. Pour la petite, c'est gentil. Ça me fait tellement plaisir pour la petite. Vous mettez les serviettes dessus, hein, monsieur Benoussa, vous l'avez vu, ce matériel est formidable. On fait comme ça? Ça va. Monsieur Bergeron, je vous laisse. Bergeron. Hein, Bergeron. Excusez-moi, j'ai un coup de bourre là, hein. Je vous laisse. Je vous mets monsieur Benoussa. Hein. S'il y a un problème, de toute façon, on est sur portable toute la journée. Je viens et il n'y a aucun souci, hein. Allez, une bonne journée. Allez, on y va. J'ai vu tout le travail. Le client, tu lui fais croire que tu lui fais une ristourne, tu le bades un peu, deux compliments, et c'est terminé. Hein. Tu crois que je vais être capable d'installer le chauffage, moi, tout seul? Oh, sans cague du chauffage, bien sûr que non. C'est les chantiers pour novembre, décembre, ça me... Vos maris voyaient ça? Ah, me parlez pas de monsieur Leguet, hein. Moi, ça me soulève le cœur. Hein. Vous savez. Non, vous inquiétez pas. Et puis soyez un peu raisonnable. Hein, madame Leguet, c'est comme ça, c'est les normes. Hein. Le professionnel, c'est moi. Vous, hein oui. Allez, bien, Momo. Ça, c'est une gangrène, ça, c'est un cancer, Momo. Il ne parle pas. Maman. Attends, je te jure, tu lui parles, tu n'en sors pas. Hein. Alors, cette chaudière. Voilà, on a fini, là. Oh! Ah, il manque un vis, là. Ah ouais, non, d'accord, tu me rassures. Alors là, tu as bien fixé. Putain, bien, j'ai tout fixé, là-haut. Si, c'est pas fini, putain, casse pas tout, oh. Tu me rassures, parce que là... Putain... les chevilles... Tu es sûr que c'est le bon diamètre de cheville? J'ai pas fini. Ah, bon, mais ça va, alors. Pas de chez ma soeur, voilà, chemise propre, haleine fraîche. Hein, Momo? Allez, à tout à l'heure. Allez, les gars, je vous laisse. Ciao, Batavia. À plus tard. Putain, je vous regarde, là. Putain, vous avez fait une belle équipe. Il a une belle équipe, là. Hein? Allez, ciao, les gars. Ciao, Batavia, ciao. Oui. C'est bien, mamie, hein? Vous êtes contente? Ben, je sais pas, mon père. Vous êtes du métier, vous devez le savoir mieux que moi. Bon, je dis, c'est parfait. Par contre, il y a ça là-haut qui me plaît pas. Hein. Quoi, le coude? C'est une nouvelle norme, ça. Non, mais c'est pas joli. C'est obligatoire, ça. On fait pas ce qu'on veut avec le gaz. Hein. Oui, mais vous pouvez pas faire aller le tuyau carrément derrière.
sans qu'on voit ça, là. Non, j'ai matériel allemand, l'autre, il est au-dessus. Eh ben alors, et où c'est qu'ils sont, tes parents, toi? Ils sont en France, hein? J'en ai rien à faire où sont mes parents, c'est pas le problème, je te dis simplement que... Tu fais le français, t'es un homme batavien, je t'appelle. Attends, la différence, c'est que ça se voit que tu es arabe, voilà. Hein? Ça se voit que tu es arabe. Je vais pas le cacher, ça moi, se porte le là... tu connais... cache pas, moi. Vu la... Ça se voit sur ta tête, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a, mamie? Exprimez-vous, putain, vous êtes de mon avis ou vous n'êtes pas de mon avis? Non, ça... c'est pas arabe de parler arabe, c'est truc que ça, parler ou quoi? T'aurais été suédois, je t'aurais parlé de Suède. Tu es arabe, je parle d'arabie. Ouais, c'est le cliché, ça. À chaque fois que tu regardes la télé, tu écoutes toutes les conneries que tu dis à la télé aussi. Oh, maman! Ça va, Gilou? Très bien. La chemise, okay. Ah, pas mal ma chemise, qu'est-ce qu'elle a? Oh, mais sans déconner, là, on te voit, là, on va pas te rater, hein. Pourquoi? Bon, pour la boîte, ça réfléchit à la lumière. Oh, ça. C'est soirée coiffeuse, quoi. C'est pas soirée manga, qu'est-ce que tu me fais, là? Oh. Ouais, c'est parti! Patron Fifi, le patron de la boîte, hein. Le patron de la boîte, c'est un ami Auguti, tu le sais ça, Momo? Ah, vous êtes une grande famille, ça. Eh ouais, exactement, c'est ça, une grande famille, Momo. Si t'as quelqu'un qui t'emmerde, tu me le dis, hein. Ah ouais, tu me le dis ou pas? On est collègues, Momo, on n'est pas collègues. Ah ouais, je suis ton collègue, je demande que ça, moi, je demande que ça. Attends, ton Momo, collègue, hein. Salut, Momo, Gilles. Allez, oh, Momo. Préparez de bon, ami. Je vous ai aimé. Ah, bien cuite, hein? Oh, bientôt il n'y a plus de bière, mamie. Bien sauvé. Ah, bon, on va le prendre, vous inquiétez pas. Je me prends ça. Mange-moi ça. Ça. Oh, putain de merde! Chia! Putain de maison de vieux, là. C'est rien, mamie, c'est rien. Casser un chat. Mon chat de collection. Mais c'est pas grave, vous en aurez neuf. Les Gutti vont vous payer neuf, hein? Oui, bien sûr. Oh, Madame Leger. Oui, moi-même. Entreprise Gutti Frères, enchantée. Ah bon, ça me fait plaisir de vous voir. Bonjour, monsieur. Madame Leger. Voilà. Madame Leger, alors, vous êtes contente? Vous avez mis le meilleur, hein, Batavia avec lui, les finitions, tout ça, ils c'est sont nickel. Gentils. Hein. Ils gentils. Sont surtout gentils. Ah bah tant mieux. Voilà. On est ravis pour vous. Oui. Écoutez, on va vous laisser parce qu'on est pressé. Hein, oui. Vous êtes contente? Oui. Ça nous fait plaisir. On va voir quelque chose. Ah, d'accord. Tony, pas la voiture avec Batavia, je te rejoins. Hein, d'accord. On a un petit problème avec elle. Allez, viens. Pour deux minutes. Alors, qu'est-ce qui se passe, Madame Leger? Jolie maison, hein? Une petite chose, ma fille. Ça, c'est pas grand-chose, peut-être. L'essentiel, c'est que vous soyez contente. Hein? Non, justement, ça me plaît pas. C'est joli, hein? Ah, ben voilà. Alors? Eh bien, c'est cette histoire-là. Quelle histoire? Ça me plaît pas, ça, alors, par exemple. Qu'est-ce qui vous plaît pas? Non. Le coude? Ben oui, on n'aurait pas pu faire passer le tuyau, car Madame Leger, c'est énorme. Ah bon? C'est l'énorme. Oui. Aujourd'hui, avec les chaudières qu'on vous livre, oui, elles sont tellement puissantes, oui, qu'il y a trop de pression. Si on ne fait pas des coudes pour réduire la pression, il y a trop de chaleur. Ah, alors voilà. Si on vous place une chaudière pour que vous viviez les fenêtres ouvertes, c'est pas la peine. Non, on aurait pu tracer droit, vous voyez, voilà, mais on est obligé de faire un coude. Voilà. Bon, ce Batavia, les gars, moi je vous le dis, hein, faut faire le point sur Batavia. Il n'avance plus, il picole, hein. Tu sais comme il est en plus. Il laisse pas, je sais pas quoi, il a des problèmes avec sa femme, il se rase plus. Il a les cheveux sales. Puis il boit beaucoup, c'est ça aussi. Moi, je crois que c'est ça qui l'handicape. Ah. C'est cette boisson, cette bière. C'est vrai qu'il en boit. Ah. Le type qui est agréé auprès des tribunaux, c'est quelqu'un quand même qui a l'aval du procureur de la République. Un procureur de la République, c'est pas un rigolo. C'est tout. Bien sûr. Tu fais quoi alors? Tu fais quoi? Moi, je suis l'expert agréé par les tribunaux. Tiens, collabo, tu es prêt à dénoncer les gens. Tiens, collabo, tu vendrais père et mère. Attention. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais même pas ce que ça veut dire, ce terme. Oui, je sais. Et tu vas bien faire gaffe à ce que tu vas dire. Pourquoi? Parce que sinon, ouais, je te fous mon billet. Ouais. Ça, dans les 48 heures. Ouais. Non, tu peux me regarder en face, je ne baisserai pas les bien yeux. En face, je bien en face. Dans les 48 heures, tu auras une dépôt de plainte devant le tribunal compétent et je vais t'apprendre, moi, ce que ça veut dire un collabo. Parce que tu ne sais même pas aller. Tu vas m'apprendre quoi, toi? Quand le service est sorti, tu ne sais même pas. Mais j'ai rien. Moi, je n'ai rien. Ne crie pas, ça sert à rien. Ne crie pas, on ne crie pas ici. J'ai rien à faire. Sous peu, tu risques d'avoir quelques problèmes. Je Et je ne te manquerai pas. Je ne te manquerai pas. Maintenant, tu m'as compris. Je me casse. Charogne, va-t'en de là. Non, mais. Moi, je suis une charogne. Toi, tu es pire qu'un vautour. Alors, je vais te dire une bonne chose. J'ai les plus grandes ailes. Je m'en bats les couilles de tes ailes. Moi, je te mange. Un jour, le vent, il va te manquer. Ah ouais? Il va te manquer, le vent. Le vent, il me portera. Et tu vas te casser la gueule à une vitesse tellement grande que ce sera même pas ce qui t'est arrivé. Alors maintenant, ce soir, ras-le-bol, je vais vous payer. La tournée. Ah, paye pas. Voilà. Prends ta monnaie. Vas-y, prends ta monnaie, là, vas-y, tiens, prends ça, viens, tiens, vas-y.
Putain, oh. Ouais, mais j'arriverai pas tout seul ici. Tu discutes pas, tu travailles maintenant, tu te mets au travail. J'en ai plein le cul, Momo, hein. Attention, je t'enlève le chantier. Allez, c'est bon, je t'enlève le chantier. Non, c'est bon. Bon, alors voilà, c'est qui tout double? Mais hein? J'ai passé de temps. Toi, tu as passé de temps quoi? J'ai passé de temps, bien sûr. Cherche qu'à 16 heures. Là. Hop, attention. Hop. Merde. Ah, tes chaussures, quoi. Range tes papiers avec ton clochard. Fais pas chier. Clochard, tu les as pas mis. Oh, dis, on se calme. Oh, basta maintenant. Je vais lui couper la tête à lui. Je vais l'envoyer au canal à lui. Mettez-vous pas. Préparez-vous. Il n'y a pas d'arrangement ici. Attends, mais faut pas lui parler comme ça. Tu n'as mes sous. Moi et mon contrat, il est où? Tu me prends pour un con, quoi? Mais non, mais attends. Comment on va espèce de PD? Tu m'as pris pour un con depuis le début, toi. Famille, attends. Tu m'appelles plus Minou. Ferme ta gueule là. Tu fermes ta gueule. J'ai mis tous mes espoirs en moi. Ah, t'as fait de faire la chanson, s'il te plaît, arrête de me faire et la chanson. Samia, tu as pas mais tu vas la fermer ta gueule. Tony. On n'a pas de ma soeur là. Tony. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Putain, arrive à temps, hein. C'est bon, hein. C'est bon. Merci, hein. Viens, sympa. Viens là, viens. Ça va. Et mets la salopette au vestiaire, hein. Pars pas et la salopette, voleur là. Qui parle? Hein? Ah bon, non, mais c'est rien, t'inquiète, viens, je vais parler. Mais moi, tu me parles plus maintenant. Tu me casses les couilles aussi, toi, hein. Tu prends du risque, toi, ma parole. Je commence à en avoir marre de ta gueule! T'as compris? Quand même, qu'est-ce qu'elle avait besoin d'installer son chauffage, ta mère, hein? Ah, plus de 80 ans, un chauffage central? Elle s'est jolie toute sa vie, ta mère, hein? Il y a 80 balais, madame, elle veut faire la belle, là? Allez, va. Putain, quand je pense que même morte, elle m'emmerde! Bon, tu vas la faire, mais connasse! Tu m'as fait chier toute ma vie, ma mère! Tu as foutu ma vie en l'air! T'es sûr que ta gueule! Connasse! Mais dis pourquoi tu me parles comme ça? Je parle de la vie! Mais pourquoi tu me parles? Mais qu'est-ce qui te prend? Je te dis le connasse! Mais qui je suis le connasse? Parce que moi j'ai entendu le petit Gucci là, il m'a dit qu'il s'est réduisé la pression. Ça doit réduire la pression puisque ça fait non, ça. Attendez, allez, on arrête. Hein. C'est complètement aberrant ce que vous racontez, ce qu'ils vous ont raconté. Non, c'est. Bon, je n'ai jamais vu des trucs pareils. 20 ans de carrière. Ah non, il faut. Je rêve. Que tu sois un Provençal de cœur, oui. Que tu sois un Provençal d'esprit, oui. Mais que tu sois un Provençal, ce que j'appelle moi, au fond des tripes, jusqu'au fond de soi-même Provençal, je te dis non. Mais ben, il faut pas 27 générations pour dire qu'on est Provençal. On est Provençal à partir du moment où on est dans la région, où on a la culture de la région, c'est tout. Attendez. Mais qu'est-ce que c'est cette théorie? Arrête, oh, merde, Tony, je te l'ai dit, merde. Je l'ai pris deux jours à laisser, pour 100 euros, merde, hein, Joe. C'est pas un problème, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'inquiètes de quoi? Il s'inquiète de quoi, Tony? Chilou! Ouais, quoi? C'est où elle est, la vieille? C'est où elle est? Elle est morte. Mais qui est morte? Attends, mais c'est quoi? C'est quoi cette histoire? Attends, mais ça n'a rien à voir, elle est morte, elle a un pied à la tombe, la vieille, c'est rien, ça. Ça n'a rien à voir, qu'est-ce qu'il y a? Je dis que la vieille, elle est morte, ça te fait rien. Mais chaque fois que je te dis que l'arabe, il tire les ficelles, ça te fait rien. Mais tu sais ce que ça veut dire, ça? Moi, j'ai eu les flics aujourd'hui, là. J'ai eu les flics au bureau. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Qui est mort? Qui est flic? Oh, les gars, oh! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Chilou! Si dans les 48 heures, notre arabe, il n'a pas quitté la région, je te promets que toi, avec lui, pieds et mains liés, tu pars au fond du canal. C'est vrai, je le règle le problème. Je le règle, Tony, je le règle le problème. Hein? Demain, c'est réglé, les gars, ça va. Ah oh putain! Oh les gars! Oh Chilou! Règle le problème avec le bougnoul. Demain, c'est réglé! Règle le problème avec le bougnoul. Passe à l'approche! Plus fort! 3! Plus fort! 4! 5! J'entends pas! 6! Plus fort! 7! 8! 9! 10! 11! 12! 13!